Salut tout le monde, ça a passé, ça a fait. Je dis à moi pour montrer nous qui j'en pour nous faire un bon chakamayi avec l'aide bien facile et bien goût. Pour nous faire li, n'a besoin maï cassé. Ça c'est qualité maï m'a utilisé. N'a besoin yon boîte lettre évaporée. N'a besoin sel. N'a besoin peau de muscade. Ça c'est quantité m'a utilisé. N'a besoin jumeau. N'a calé jumeau hein, bien calé. N'a besoin cannelle, essence. Yon morceau beurre. Et puis n'a besoin sucre, pas en pile parce que nous pas voulez pour trop douce pour pas répétant. Pour nous commencer, nous mettons une chaudière sous le feu, nous mettons de l'eau là-dedans, nous faisons de l'eau nous bouillir, nous mettons une petite cuillère de sel là-dedans, nous lavons maïa, nous mettons bouillir pour 20 minutes. 20 minutes fin passé, maïa nous presque cuite, Konya n'a pas ajouté de l'eau là-dedans. Et puis, nous mettons le jumeau en bouillie là-dedans pour le faire cuire ensemble avec maïa. Quand le jumeau nous fait cuire, nous retirons le jumeau, nous mettons dans un bol, nous prenons un peu de l'eau maïa, nous mettons ensemble avec la petite eau là pour le faire pour nous blender. Quand le jumeau en fait cuire, nous prenons le blender. N'a utilisé de l'eau maï nous te prend pour nous mettre fret là n'a utilisé pour nous cablenter jumeau. Quand y a jumeau nous fait blender n'a pas ajouté non maï. N'a mélangé bien mélangé. Et puis, nous allons ajouter cannelle nous la donne. Nous allons ajouter peau de muscade dans la donne. Et puis, nous allons quitter le bouilli. Quand il y a un bouilli bien bouilli, nous allons ajouter le reste des ingrédients la donne. Nous allons mettre le sucre. Songez me dit non, pas mettre un peu de sucre parce que nous allons appeler pour trop douce pour le répétant. Ajouter l'aide évaporée nous en la donne. N'a boissé le bien boissé pour mélanger. Et puis n'a pas ajouté morceau beurre nous en la donne. N'a boissé. Ajouter une petite cuillère essence là-dedans. La poisselle et puis n'a quitté le bouillir jusqu'à ce que les poisses. Après ça, les parer pour les servir. Ça, c'est le résultat chaka avec l'aide dans mes chouchous. Je souhaite que nous ayons enjoyé la vidéo et nous allons laisser faire chaka avec l'aide ça qui est très très bon, qui est très très goût. Et facile pour faire. Si nous aimons la vidéo, pas oublier de partager ensemble avec vos amis, nos amis, nous n'avons pas sur les médias. Et puis c'est pour ton notification pour qu'on ait les postes de nos vidéos.